À l'époque, dans les années 80, le temps se vidait un peu de sa population. On a visité ici une dizaine de fermes en stock. Dans la SAFER en avait beaucoup en stock, mais on en a visité plusieurs qui étaient à la fois très intéressantes parce qu'elles étaient en général en polyculture, dans un milieu très diversifié au niveau géographique, géologique. Le Tarn, ça nous a vraiment séduit. Et puis aussi, par rapport à l'économie, c'était vraiment des fermes pas très très chères hein, dans les années 80. C'était une expérience qui était possible il y a 30 ans, qu'on ne pourrait pas recommencer aujourd'hui, je pense. Donc très différent aussi de s'installer dans le Tarn par rapport à d'autres régions, plus dans le sud, sud-est, où on payait la proximité de la mer et le tourisme aussi cher que la valeur des terres. Voilà. Alors ça, c'est un peu... l'histoire. Alors après, on a acquis cette ferme en l'achetant à la SAFER et en s'endettant à mort. En fait, 80% de la somme nécessaire pour acheter les bâtiments et les terres, on les a empruntés au Crédit Agricole et le reste, on les a empruntés à la famille parce qu'on n'avait pas de sous. C'est important de dire ça parce que ça a bloqué beaucoup l'expérience technique qu'on voulait faire, c'est-à-dire que l'investissement initial qui est un... quasiment obligatoire parce qu'à l'époque, on n'aurait jamais pu louer en arrivant à 20 ans ici, enfin à 25 ans ici et en étant étranger, c'était impossible. On a essayé de trouver une location. Donc, il n'y avait pas tellement d'autres moyens de faire une installation, mais en même temps, en faisant une installation très lourde en investissement comme on a fait, eh bien, on a bloqué toute possibilité d'évoluer rapidement vers des techniques innovantes puisqu'on ne pouvait pas améliorer l'outil de la ferme. On a repris la ferme avec ses vieux bâtiments tels qu'ils sont encore aujourd'hui pratiquement et ses vieux outils, c'est-à-dire les tracteurs tels qu'ils sont encore aujourd'hui et qu'on a maintenus pendant plus de 30 ans. Alors disons que nous on s'est installé en 82 après avoir fait des études en agriculture. Donc on a fait une école à l'ENITA de Bordeaux, où on a étudié l'agronomie et en particulier la viticulture. Et c'est pendant cette période d'études qu'on s'est posé des questions concernant à la fois l'écologie, la pratique agricole, des questions sur la disparition des agriculteurs, enfin tout un tas de problèmes qui nous semblaient inhérents à nos études en fait. Et on a décidé en sortant, non pas d'utiliser nos diplômes, mais de faire une expérience biologique globale en fait, c'est-à-dire de se lancer dans une expérience dans une ferme et d'essayer de voir s'il était possible de cultiver et de cultiver autrement en fait, de mettre en pratique des idées beaucoup plus écologiques au niveau de la technique agricole. Je crois que c'était vraiment ça au départ. Et puis aussi... oui, c'était lié à la prise de conscience de la disparition des agriculteurs, à l'idée que peut-être il fallait résister un petit peu à cette disparition, parce qu'il n'y aurait pas de société plus écologique si on ne maintenait pas un monde rural et une population agricole suffisamment importante. Je suis attristé de voir qu'on a laissé tomber en désuétude un peu cette histoire du vignoble, qui est une histoire flamboyante, parce que, je ne sais pas si on imagine déjà au 9e siècle, on fournissait des clarets à l'Italie, on fournissait tous les rois, le roi d'Angleterre, en Hollande, tout le roi de France, bien entendu, on fournissait toutes les cours de l'Europe.
Et puis jusqu'au phylloxéra, tout s'est bien passé. Le phylloxéra a un peu déstabilisé tout le monde, mais il n'est pas le seul à avoir déstabilisé le vignoble. Et le vignoble est tombé un peu en perte de vitesse parce que de génération en génération, on a oublié de dire à ceux qui arrivaient que nous étions un grand vignoble. Moi, je me suis toujours entendu dire, toute ma vie, j'ai entendu dire par des gens qui nous interrogeaient en disant « Alors, il est comment votre petit vignoble ?» Moi, ça m'a toujours secoué. J'ai toujours pensé, moi qui en connais l'histoire, je me suis dit « Mais attendez !» Et automatiquement, ma réponse était « Mais est-ce que vous connaissez le vignoble de Gaillac ? Est-ce que vous connaissez son histoire et sa grandeur ?» Alors évidemment, les gens n'imaginent pas qu'on ait eu cette grandeur. Le vignoble bordelais a commencé à faire des bons vins au XVIIe siècle. Nous, au IXe siècle, on envahissait la Garonne et l'estuaire de la Gironde et on faisait passer 100 000 tonneaux sur l'Angleterre. C'est pas rien, ça. Ça représente quand même quelque chose de formidable et en même temps de pathétique parce que... Bon, mais c'était nous. Nous avons été les premiers en Europe à avoir à sacraliser la taille de la vigne. Nous avons été les premiers en Europe à avoir une confrérie bachique, avec une discipline de la taille, avec une discipline du vignoble extraordinaire. Les appellations contrôlées, quand elles sont arrivées, c'était un amusement par rapport à la discipline qui existait vers le XIIIe et XIVe siècle. Tout était géré évidemment par les moines, mais il y avait vraiment une volonté de faire de Gaillac, de faire un grand vignoble. Le vin bio par rapport à un logo, nous au restaurant, je vois même partout, on marche plus à l'appellation, on marche au vigneron. C'est-à-dire qu'on va dire le nom du vigneron, il a fait ça sans réfléchir à on sait d'où ça vient, on sait de quelle région ça vient, mais on fait malheureusement plus gaffe du tout aux AOC et notre boulot dans les vins nature aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens qu'un vin de pays peut coûter plus cher qu'un AOC et peut être meilleur, tout simplement parce que le vigneron n'a pas voulu le représenter parce qu'il s'en fout. Et le boulot est là, quoi. Et c'est vrai que malheureusement, les AOC, ben, pour nous en tout cas, toute notre génération, ça ne veut plus rien dire. Quoi. On va pas acheter un vin, nous, en fonction d'une appellation ou pas. On va acheter un vin en fonction du vigneron, en fonction de son caractère, de comment il travaille, de tout ça. Quoi. Donc c'est un peu triste parce que c'est quand même important les AOC. Mais est-ce que ça va évoluer ? Est-ce que c'est un peu. Ouais, on sait pas trop où on va avec ça, mais c'est vrai que ça, c'est pas quelque chose qui nous marque à nous, en tout cas pour l'instant. Quoi. On fait partie des acteurs de l'appellation déjà, donc forcément on est dans cette appellation. Nous-mêmes on est producteurs ici uniquement en AOP et pas en vin de France ni en IGP. Donc ça veut dire qu'on croit à ça. Il y a des vignes en face par exemple, on a planté et on replante des cépages autochtones, des cépages qui sont vraiment typiques de la région et qui ont toujours été là, comme le prunellard qui a été a priori découvert sous François Ier, qui était déjà travaillé sous François Ier. Donc on y croit. Aujourd'hui, le souci, c'est qu'effectivement, il n'y a aucune visibilité pour le consommateur, consommateur général, averti ou non d'ailleurs, concernant l'appellation Gaillac, pour de multiples raisons. D'une part, parce qu'on a une diversité de cépages qui fait que, ben, en profil, si on doit définir un profil aromatique sur l'appellation Gaillac, ben, c'est quasiment impossible. Et ensuite, on a des terroirs qui sont bien trop différents. Ici, ils aiment bien dire qu'il y a trois grands terroirs. En réalité, on peut en rajouter un quatrième, ce qui reprendrait toutes les plaines, où la vigne n'a pas grand-chose à y faire, en réalité. Prenons l'appellation Madiran. Madiran, il y a 10 ans, n'était pas plus réputé que Gaillac. Et Madiran, il n'y avait aucune visibilité pour le consommateur, il n'y avait pas d'harmonie dans leurs produits. Aujourd'hui, ils arrivent à sortir des produits qui sont quand même globalement uniformes et qui mettent en valeur vraiment leur savoir-faire, leur terroir, leur cépage. Nous, on n'arrive pas à ça encore aujourd'hui. On a la possibilité via le bio et le courant bio qui commence à prendre une ampleur importante sur l'appellation et qui pourrait nous permettre de retrouver de la typicité, de l'originalité et vraiment un caractère particulier propre à Gaillac. Maintenant, il y a des metteurs en marché qui produisent avec une autre philosophie que la nôtre, qui créent des produits qui ne sont pas comparables aux nôtres, mais ils s'appellent aussi Gaillac.
Donc c'est un peu compliqué. Et de la même façon, quand vous allez dans un linéaire de supermarché, vous trouvez des appellations Gaillac à 3 € TTC. Franchement, c'est pas possible. On ne pourrait pas. Donc voilà, il faut, à un moment donné, il va falloir scinder pour que l'appellation puisse avancer. Il faudra faire une hiérarchisation. Ils l'ont bien fait en Bourgogne, en Beaujolais. Pourquoi pas nous ? Quand on regarde l'AOP et l'impact de l'AOP Gaillac, ça va vraiment dépendre des acheteurs et des circuits de distribution et où est-ce qu'ils sont implantés géographiquement. Autant en France, ça a un impact réel. Sur des grands marchés internationaux, on a aujourd'hui encore un peu plus de mal, quelque part, à vendre l'AOP Gaillac. Il y a encore du travail à faire de ce point de vue-là en termes de communication, mais c'est un effort de longue haleine. Je me suis intéressé au bio parce que, en fait, c'est parti de... C'était quelques années après que je me sois installé ici au domaine. Donc, moi, je me suis installé en 83, ça fait 30 ans maintenant. Et on est tombé dans le panneau avec mon père d'utilisation de produits phyto de synthèse, les premiers qui sont arrivés sur le marché là. Et évidemment, les gars qui nous vendaient ça nous disaient vous allez traiter la vigne et vous allez y aller que tous les 15 jours. Et on s'est dit c'est bon, tous les 15 jours, impeccable, entre les deux traitements, c'est vacances quoi. Et c'était le piège. C'était une conviction d'il y a plus de 10-12 ans. Ce que je voulais, c'est être certain d'y arriver dans un beau principe et m'équiper pour y arriver. Parce que 65-70 hectares de vignes en bio, passer d'un coup comme ça, c'est pas si facile que ça. J'ai rencontré des gens, j'ai visité des vignobles, des gens sur Gaillac, des vignobles ailleurs, où des gens y arrivaient très très bien. Et ça rentrait tout à fait dans la conviction que j'avais. Je suis aujourd'hui fier de dire que mon fils n'aura jamais connu de produits chimiques. Il est avec moi depuis 2 ans et demi, 3 ans, il n'a jamais vu de produits chimiques sur l'exploitation. Voilà, je crois qu'il faut... Il y a une prise de conscience de chaque être humain, de chaque agriculteur. On nous a beaucoup baladés, on nous a beaucoup fait gaspiller beaucoup d'argent sur des produits phyto, sur des conseils, je crois qu'on s'est bien ruiné. Pourquoi faire au résultat pour malheureusement détruire un sol. Alors je crois que la prise de conscience, il faut la prendre très rapidement. On parle de terroir, c'est bien beau de parler de terroir, mais encore faut-il le respecter. Et quand je vois des bouteilles de vin dans des gros terroirs à des prix exorbitants et qui malheureusement ne respectent pas leur terroir et qui emploient des produits chimiques encore et de désherbants et de traitements, le terroir, pardon. Pour moi, faire de vin de qualité, ça commence par avoir des terres en bio. Après, cultiver en bio, il y a tellement de choses par rapport à l'environnement. C'est vrai que la pollution des sols, la pollution de l'eau, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses. Après je ne milite pas, mais c'est vrai que je suis conscient qu'il faut travailler propre pour qu'on puisse continuer à léguer des terres plus propres. Parce que moi, c'est vrai que dans l'agriculture, on aime bien, c'est de génération en génération, si on peut. C'est vrai que léguer des terres propres à ses enfants, c'est quand même la base. Donc c'est vrai que si on limite les pollutions, c'est quand même, on voit directement les impacts négatifs que peuvent avoir les produits chimiques. Voilà, il y a aussi une chose, c'est que je suis dans un endroit qui est préservé. Voilà, on a beaucoup de terres attenantes, j'ai beaucoup de bois, c'est un endroit sauvegardé. C'est vrai que j'ai pas une autoroute qui me passe devant, une fine d'autotension ou une usine à côté de mes vignes. Donc c'est vrai que pour moi, travailler en bio, déjà, c'est vrai que la situation est très importante. Il faut être maître de ces terres. Et voilà, heureusement, j'ai des vignes attenantes à côté de chez moi, un voisin, et il est passé en bio aussi. Donc du coup, ça permet d'avoir un îlot. Dans ma région, voilà, on a un secteur qui est assez préservé. Après, c'est vrai que j'ai pas toutes les terres, donc il y a des fois des voisins céréaliers qui vont un peu loin des fois, parce que les produits des fois ils dérivent un petit peu avec le vent. Donc c'est toujours un petit peu délicat à tout maîtriser, mais petit à petit, c'est vrai que je vais essayer d'avoir un diamètre autour de mes terres pour pouvoir être sécurisé au niveau des pollutions externes. On a fragilisé les agriculteurs, enfin, je pense qu'il y a une explication, c'est la spécialisation de chaque agriculteur dans une production.
soit vigneron, soit vous avez un producteur de lait, vous avez un céréalier à côté, mais chacun fait une production. Alors, il est dépendant en plus de, comment dirais-je, du commerce, parce qu'il est obligé d'acheter des engrais pour ceci, de l'aliment pour cela, parce que quand il fait des choses, c'est... La spécialisation, ça veut dire intensification aussi, quelque part. Et alors, ils sont obligés d'acheter de l'engrais, ils sont toujours dépendants de quelqu'un, quoi. Alors, les mauvaises années, le problème, c'est qu'ils sont très fragiles au niveau économique. Alors que là, l'année où j'ai mis les vaches dans ma vigne, j'ai gagné 8 jours de foin. C'est peut-être pas grand-chose, mais j'ai fait 1 000 000 de litres de lait, ou 500 litres de lait avec la vigne, quoi. Alors qu'il aurait fallu que j'achète un peu de foin, ça aurait été une dépense. Tout ça, c'est un tas de petits riens. Le fumier des vaches, je le recycle dans la vigne, en fait, tout au moins une partie. Je fais des engrais verts aussi dans la vigne. L'an dernier, j'avais semé des féveroles, mais j'avais, à cette époque aussi, j'avais un couvert de féveroles. D'ailleurs, il y en a quelques vestiges par-ci, par-là. Et les féveroles étaient aussi hautes que la vigne, elles faisaient 1 mètre de haut. L'idée de revenir, non pas forcément à la culture bio, parce que de revenir à la culture de la vigne, comme moi je l'ai connue, comme on me l'a appris. Et voilà. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, on a mis un nom là-dessus qui s'appelle la culture biologique. Tant mieux d'ailleurs. Et j'avais autour de moi aussi plein de copains, parce qu'en fait, il y a aussi, ici à Gaillac, il y a des précurseurs. C'est Guy et Brigitte Laurent, c'est le domaine de Cantalose, là, au petit village au-dessus de Cahuzac-sur-Mer, à Lintin. Et c'était quasiment les premiers néo-ruraux qui arrivaient dans le vignoble, ici à Gaillac, tu sais, quand on regardait un peu comme ça. Et eux, en arrivant, ils ont... En plus, ils avaient quand même des bases agricoles, parce que je crois qu'ils sont ingénieurs agro tous les deux. Et c'est eux, finalement, les qui ont lancé la culture biologique à Gaillac. Et si aujourd'hui, nous, on fait ça, c'est certainement grâce à eux, quoi. Voilà. À l'époque, on nous aurait proposé une ferme avec des chèvres et du maraîchage. On y aurait été, parce que pour nous, c'était ce qu'on appelait l'expérience biologique globale, c'est-à-dire nous, au sein d'une ferme, comment tout ça va évoluer, est-ce qu'on est capable de tenir avec d'autres techniques, à la fois socialement, économiquement et techniquement. Voilà, c'était vraiment un problème d'environnement, parce qu'on avait malheureusement lu beaucoup de choses dont on parle aujourd'hui, mais qui étaient déjà connues il y a 30 ans et même avant, hein, la pollution des nappes phréatiques, la pollution des fruits et légumes, tous les problèmes dont on dévoile aujourd'hui l'étendue étaient déjà connus à l'époque. Et donc, dans une école d'agriculture, il suffisait de mettre son nez dans un bouquin pour apercevoir les limites du système. Donc nous, voilà, on les a aperçus, on s'est dit, ben, on va essayer de voir comment on peut faire autrement, c'est tout. Et c'était l'objectif principal. Évidemment, si on n'avait pas, par chance, par une chance inouïe, trouvé une ferme viticole, je pense qu'on n'aurait pas tenu le coup, parce que c'est vraiment ça, une expérience biologique globale. Il faut aussi que la force de tenir vienne du plaisir qu'on a à faire les choses. Et on est tous les deux, en fait, issus de familles viticoles, en fait, et finalement, notre histoire nous a rattrapés et nous a permis de tenir. Parce que la vigne, c'est notre passion. Si ça n'avait pas été notre passion, on n'aurait pas tenu l'histoire à laquelle on a dû faire face pendant ces 30 dernières années. Elle aurait été plus courte, l'expérience, je pense. Voilà. Parce qu'on avait visité d'autres fermes. Bon, moi, on était casse-cou, on aurait pris n'importe quoi, mais ça aurait été une erreur. On a eu beaucoup de chance d'arriver là. C'est une passion, la bio, mais est-ce que c'est aussi... La bio, je dis. Oui, oui. La bio, c'est une curiosité intellectuelle, je veux dire, qu'on a assouvie au travers d'une passion qui est quand même la vigne, en fait. Parce que c'est ça qui nous a aidés à mener au bout l'expérience. Ma question, c'était la vitibio. Est-ce que c'est un autre métier? Est-ce que c'est... Non, je pense que c'est le même métier avec... Ben, on est né dans un contexte différent, on a eu une approche des problèmes différentes et on a essayé, voilà, dans ce métier, d'être intègre, en fait. Et je pense que les générations précédentes l'ont fait aussi à leur manière, avec le contexte dans lequel ils ont vécu. Enfin, certains, pas tous, ceux qui étaient passionnés par la vigne et le vin l'ont fait aussi. Bon, moi, j'ai un beau-père qui est vigneron en Champagne, qui n'est pas en bio, qui n'a jamais été en bio, mais qui est passionné de vigne et que je respecte beaucoup, parce que cette passion-là, il a la même. Enfin, il la porte en lui historiquement, il porte cette histoire-là de façon très puissante et très forte. Et je ne pense pas qu'il y ait de différence à ce niveau-là. Mais je pense que nous, on a eu voilà, des lectures, des approches, des problématiques
qui nous ont obligés à travailler autrement dans le contexte de cette passion viticole. Voilà. Et on fait que prendre une suite. Hein. Moi, je vois ça comme... de toute façon, s'il n'y avait pas eu ici un vigneron avant nous, quoi qu'il ait fait avant, même s'il a mis beaucoup de pesticides, eh bien, nous, on n'aurait pas pu prendre la suite et orienter les choses différemment. On est vraiment dans une filiation totale avec la génération précédente, tout en ayant apporté une rupture, en fait, dans les techniques. Mais on leur doit beaucoup, autant qu'à nos bouquins dans lesquels on a lu... d'autres histoires de vignes possibles. Ça semble à la portée, puis ça semble presque une évidence, moi j'ai envie de dire. Ça semble une évidence dans le sens où... bon après, c'est peut-être mon éducation dans le vin aussi qui fait que j'ai ce discours-là, mais moi j'ai du mal à me dire qu'on pourrait faire des vins naturels. On va dire, alors après on redéfinira ce que c'est des vins naturels, mais sans une culture biologique à la vigne, au minimum. Je dis biologique, on peut tendre au-delà et partir sur la biodynamie, mais en tout cas une pratique respectueuse des sols, du vivant qu'on a dans les sols et dans la vigne. Tout simplement parce que les vinifications qui s'en suivent ensuite, elles ne peuvent être bonnes et de qualité que si on a du vivant dans les vignes et dans les sols, et au final dans le raisin. Les levures indigènes avec lesquelles nous, les fermentations se font, c'est les levures naturelles issues du raisin, elles ne sont de qualité que si les pratiques culturales le sont aussi, et sont propres. Si on commence à désherber, si on commence à traiter avec des produits systémiques, on va déséquilibrer le milieu, et petit à petit, on va déséquilibrer le raisin, puis déséquilibrer les levures, les fermentations se feront plus mal, et c'est comme ça qu'on arrive à rectifier ensuite, avec des pratiques œnologiques un petit peu plus techniques, les vinifications, et à faire des vins qui, petit à petit, sortent, on va dire, d'un cadre terroir. Voilà, faire des vins issus du terroir, d'un sol, d'un climat, d'un vigneron. Voilà. Et moi, c'est vers ça que j'ai envie de tendre. Alors après, on appelle ça comme on veut, hein. On appelle ça vin bio, on appelle ça vin biodynamique, vin naturel. Mais en tout cas, c'est vers ça que moi, j'ai été peut-être élevé là-dedans et j'ai pas d'autres points de référence. Mais en tout cas, c'est vers ça que j'ai envie de tendre pour l'instant. On a deux démarches un peu parallèles. Hein. Il faut dire que... Voilà, Nature et Progrès, on a toujours fait une démarche qui était du raisin jusqu'à la cave, c'est-à-dire qu'il y avait une cohérence entre la manière de cultiver et la manière de traiter de réfléchir sur la vinification. Or, il faut savoir que quand on a officialisé la bio, toute la profession viticole s'est opposée à ça. C'est-à-dire qu'on a bien voulu, après un bon combat quand même, on a bien voulu considérer qu'on pouvait travailler la terre autrement. Mais en France, l'AOC structurant la profession viticole de façon très profonde, on n'a jamais voulu reconnaître qu'il y avait des techniques œnologiques qui seraient, disons, préjudiciables ou moins bonnes que d'autres et qui mettraient en défaut le cahier des charges des AOC. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reconnaître en France, plus qu'ailleurs, on n'a pas voulu reconnaître le fait qu'il pourrait exister un cahier des charges plus restrictif que les pratiques autorisées dans les AOC. Donc ça, c'est un autre combat qui a duré beaucoup plus longtemps, puisque seulement aujourd'hui, on reconnaît un cahier des charges CAV en 2012, donc hein, on reconnaît le premier cahier des charges CAV en bio. Donc dans cet espace, il y avait une sorte de vide énorme, puisqu'il y avait une bio officielle et puis pas de cahier des charges œnologique. Donc il y a des gens qui se sont interrogés sur les pratiques de la cave, et ça a donné, à mon avis, naissance à ce mouvement des vins naturels, qui n'était pas toujours forcément lié à la démarche bio sur le terrain, mais qui s'interrogeait sur les pratiques de cave. Alors ça a commencé par là. Pourquoi rajouter tel ou tel produit, utiliser telle ou telle technique en cave, alors qu'on pourrait faire les vins autrement, plus simplement? Un peu le même questionnement qu'on avait en bio sur les raisins, mais au niveau des pratiques de cave. Et ça a donné un mouvement des vins naturels voilà, qui s'est intercalé un petit peu dans ce vide de réflexion et qui, à mon avis, a servi beaucoup à ce que la réflexion avance sur les pratiques œnologiques. Bon, pour nous, Nature et Progrès, on n'est pas concernés puisqu'on a toujours réfléchi à ces pratiques œnologiques. Ce qui nous différencie des vins naturels, c'est que ces pratiques ont très vite été écrites parce qu'on revendique une transparence et aussi on ne travaille pas de façon... élitiste, c'est-à-dire il n'y a pas de cooptation de un tel ou un tel parce qu'il est reconnu par ses pairs comme étant bon et parce qu'on a confiance en lui. Non, nous, on travaille sur un engagement du producteur à faire ou pas faire certaines choses et une transparence de ses actions par rapport au consommateur. Et toute personne qui s'engage à
pratiquer comme ça et à être contrôlé par le consommateur en contrepartie peut adhérer et revendiquer une mention nature et progrès. Ce n'est pas le cas pour les vins naturels. Les vins naturels, bon, d'abord, il n'y a pas de contrôle. Il y a eu très longtemps pas de cahier des charges, mais juste une intention, c'est-à-dire on ne fait pas ci et pas ça. Ce n'était pas écrit, c'était sans SO2 ou presque, ou pas beaucoup. Mais il n'y avait pas de norme. Aujourd'hui, ils ont mis quand même une norme. Hein, on a quelque chose d'écrit. Mais pendant très longtemps, c'était juste l'intention qui comptait. Et donc, pour faire partie des vins naturels, il fallait être reconnu comme quelqu'un de valable par les copains. Voilà, hein. C'est la manière qui est différente. L'esprit du travail de cave, je pense, c'est un peu la même chose. On cherche à améliorer la pratique naturelle du vin, en fait. L'existence d'un vin qui soit beaucoup plus proche du vin tel qu'il pourrait se faire, pas naturellement en fait, parce que le vin c'est pas naturel, mais disons sans trop d'artifice. Si vous voulez, il y a un exemple qui est simple, hein, il est simple. On peut l'appliquer demain, nous on l'a appliqué sur un produit, en l'occurrence ce produit c'est un vin, et ce vin c'est le Mosaic Nature. Dans sa préparation et dans son élaboration, c'est un vin dont le raisin, une fois pressé, le jus, une fois écoulé, on n'enlève rien, on n'ajoute rien, et on obtient un produit qui est un produit effervescent, que certains considèrent comme de grande qualité. C'est, si vous voulez, si on fait le schéma, on ne peut pas trouver plus naturel. On n'a rien enlevé, on n'a rien rajouté. Et on est arrivé à un résultat comme ça. Parce que maintenant, on rajoute tout, on enlève beaucoup de choses. Je parlais de vin naturel. Vin naturel, qu'est-ce que c'est ? Aujourd'hui, il y a beaucoup de vignerons qui se disent faire des vins naturels, nous les premiers, mais il n'y a aucun cadre légal de ce que c'est un vin naturel aujourd'hui. Certains disent que c'est des vins sans soufre, certains disent que c'est des vins en levure indigène avec un peu de soufre. Voilà, donc nous, on estime faire des vins naturels, c'est pas pour autant qu'on ne sulfite pas un petit peu nos vins. Alors après, c'est toujours pareil, le sulfitage, c'est comme tout, hein. S'il faut le faire avec minutie, il faut être attentif à ce qu'on fait, pas faire n'importe quoi. On essaie de travailler sur des doses très basses, mais aujourd'hui, on ne fait pas des vins, nous, sans, avec zéro soufre ajouté. On ne sait pas le faire, pour l'instant. Voilà, c'est pas pour autant que j'estime qu'on ne fait pas des vins naturels. Ah, il y en aura toujours des nouvelles maladies, parce qu'en fait... Voilà, c'est normal, c'est une évolution, une adaptation. La vigne, elle est quand même, c'est une grande malade. Elle est, en plus, elle est greffée, c'est une chimère, la vigne. Elle a des racines et puis elle a au-dessus, elle a un feuillage qui n'est pas le même, c'est pas le même individu, les racines et le feuillage. Donc elle a beaucoup de mal parfois à résister à tout ce qui lui arrive, et en particulier au changement climatique actuel. Je pense qu'il y a des difficultés inhérentes à ça. Et aussi à la réduction de la biodiversité, au mode de sélection, au mode de greffage industriel qui ont été aussi appliqués maintenant, etc. Tout ça, ça génère des problèmes de santé dans la vigne. Donc la bio, c'est d'essayer de trouver un point d'équilibre. Et ce point d'équilibre, il est sans cesse mouvant. On ne peut pas proposer une recette définitive. On ne va pas dire, voilà, faire de la bio, c'est faire comme ci ou comme ça, et pour toujours, c'est comme ça. Non, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment un état d'esprit très différent d'observation et de remise en question permanente, en essayant d'avoir quand même à l'esprit quelques grands principes, dont celui de la biodiversité et de l'adaptation. Voilà. Aujourd'hui, on a 22 hectares en production. On travaille sur des rendements qui sont bas. Volontairement, parce que ça nous permet quand même d'obtenir des vins de meilleure qualité que ce que l'on faisait avant. Donc au total, aujourd'hui, on fait en gros 600 hectolitres, entre 600 et 650 hectolitres par an. Donc ça va augmenter parce qu'on a des vignes qui vont rentrer en production dans les deux ans qui viennent. Mais à aujourd'hui, on est aux alentours de 600-650 hectolitres par an. En gros, 80 000 bouteilles à commercialiser chaque année.
On était passé en bio à partir de 2008, d'abord sur la partie rouge, puis en 2010 sur les blancs. Ce qui fait que depuis 2010, en fait, on a toute la propriété qui est exploitée en bio. C'était pour moi un chemin assez logique depuis la lutte raisonnée, pour trois raisons. La première, c'était que j'avais la conviction que d'un point de vue environnement, pour moi, pour les salariés de la propriété, on était quand même dans des situations où l'utilisation de produits phytosanitaires n'était pas forcément la panacée, et que donc de passer sur des produits plus naturels était forcément mieux pour l'environnement de travail. La volonté de faire des produits aussi sains que possible, et après une dimension économique, puisque clairement les vins en bio ouvrent des débouchés que je n'avais pas précédemment, en France un peu, mais surtout sur des marchés qui sont déjà beaucoup plus développés en termes de distribution sur les produits bio, particulièrement aux États-Unis et dans toute l'Europe du Nord, Allemagne, Pays-Bas principalement. Ne faisant pas partie des anciens de Gaillac, ni des grandes familles de vignerons à Gaillac, je suis arrivé entre guillemets en pièce rapportée par rapport à une mouvance qui existait déjà, avec certains de mes collègues vignerons type Bernard Plajol, Patrice Lescarré et quelques autres, avec lesquels d'ailleurs on s'est regroupé dans une association qui s'appelle Terre de Gaillac, qui regroupe aujourd'hui une douzaine de vignerons, qui sont à peu près tous dans cette mouvance, à la fois de vins les plus qualitatifs possibles, et en production bio, voire pour certains biodynamie. Mais je me suis rajouté, si vous voulez, à une mouvance qui existait déjà, assez convaincu par la qualité des produits qui étaient faites, et donc en me disant que de toute façon, ça ne pouvait être qu'un plus par rapport aux vins que je produisais déjà. La superficie totale fait à peu près 90 hectares. La vigne fait 5 hectares, un petit peu plus de 5 hectares en AOC. Que du vin rouge, enfin que des cépages rouges. Et qui sont. Les raisins sont amenés à la cave coopérative de la Bastide. Ils font une cuvée bio d'ailleurs. Le reste de l'exploitation, c'est pour culture, donc il y a des prairies pour les vaches. Il y a un petit troupeau de vaches, il y a à peu près 15 vaches. 15-20 vaches, suivant les années, ça tourne à peu près dans ces eaux-là avec la suite. Ça fait à peu près un total de 25 animaux. Et le reste de l'exploitation, c'est blé tendre. Je fais du blé meunier pour les boulangers paysans. Des blés de variété ancienne. Et après, févrole, enfin, un assolement à peu près équilibré, quoi, avec culture de printemps, tournesol, soja. Et alors, je suis avant de me convertir à l'agriculture biologique, j'étais en non-labour. Parce que pour moi, le labour était une chose anti-agronomique, disons. On détruit la vie du sol pour pouvoir désherber. Mais bon, ça a beaucoup d'inconvénients par rapport à, comment dirais-je, à la dissolution de la matière organique dans le sol, le lessivage des éléments. Alors à l'époque, bon, il y avait le côté économique, parce que bon, on était quand même assez endetté quand on a fondu le GAEC. On est reparti chacun avec des emprunts. Mon père a pris la retraite, mon frère il a repris des emprunts, moi j'ai repris des emprunts. Et économiquement, à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les CTE au niveau agricole, les contrats territoriaux d'exploitation. C'était une aide pour ceux qui voulaient passer en bio, tout ça, c'était des aides assez conséquentes. J'ai dit, bon, ça me permettra d'acheter un peu de matériel, de passer en bio sans trop prendre un risque financier, parce que c'est bien beau le bio, mais il faut vivre quand même, il faut rembourser le crédit agricole. J'ai eu 6 enfants, j'avais quand même 6 enfants en charge à l'époque. Et quand même, bon, c'était pas une petite décision, quoi. Ces aides-là m'ont permis de passer le cap parce que j'étais en non-labour, je voulais pas revenir. Je sais que le labour, du jour au lendemain, je me mets au labour, j'aurai des rendements fantastiques parce que j'ai accumulé de la matière organique, j'ai stocké du carbone. Disons que j'ai rempli mon compte en banque, j'ai des terres qui sont plus riches que des voisins qui labourent tous les ans, parce que le fait de travailler la terre, on minéralise, donc on dégage du CO2. On perd du carbone, on perd de l'humus. Donc c'est la fertilité d'un sol, l'humus. Hein. Mais bon, tant que je peux économiquement vivre comme ça, voilà, je capitalise, disons, en empruntant à la banque. Je capitalise la terre en empruntant à la banque. Mais c'est un choix. Quand j'aurai fini de rembourser ma terre, après, bon, il suffit que j'arrive à produire pour mes vaches, un peu de blé, un peu de culture de vente, la vigne. Et pour moi, l'avenir, c'est ce qu'on regroupe sous le terme d'agroforesterie, c'est-à-dire ces cultures associées. Donc,
associé à la fois de la vigne, à la fois des fruitiers, à la fois des cultures intercalaires, pour essayer de recréer un semblant d'équilibre le plus en accord possible avec ce que la nature reconnaît et entretient d'elle-même. Voilà. Aujourd'hui, ce serait ça. L'objectif serait celui-là. Je pense que l'avenir va par là. Non pas dans la spécialisation, mais dans la diversité, toujours. La diversité, c'est un des critères qu'utilise et que reconnaît la nature. Les équilibres par la diversité. Je veux dire que la proportion de vignerons qui passent aujourd'hui en bio à Gaillac est forte, mais elle se développe dans toute la France de façon très rapide. Les deux dernières années, c'est plus 20% parmi les vignerons. Donc, c'est que sur la France entière, c'est énorme. Enfin, 20% d'augmentation. Hein. Et donc, je lisais que, je ne sais pas, il y a 15 ans, on était à 4000 hectares. Aujourd'hui, on en est à 60 000. C'est très, très rapide, quoi. Je pense que ce n'est pas plus qu'ailleurs. Mais disons qu'à Gaillac, quand même, ça va plus vite qu'en Champagne, pour une raison économique, je pense. Hein, parce que la crise qui a été subie de plein fouet par les régions du Sud a permis aux gens de se remettre en question un peu plus vite, de se poser des questions. Quand ça marche, on ne se pose pas forcément de questions. Mais quand on a des difficultés, on se demande s'il n'y a pas une autre manière d'aborder les problèmes qui ferait que ça irait mieux, en fait. Bon, en Champagne, ils commencent à passer en bio maintenant. Mais voilà, ils vont avoir, mettons, 4-5 ans de retard. Maintenant, ils vont le faire parce que quand même... au niveau marketing, ils ne sont pas en retard, mais ils ont mis plus de temps parce qu'effectivement, ça allait quand même bien. Donc, il n'y avait pas de raison trop de se poser des questions sur comment renouveler la pensée viticole, en fait. Et puis ensuite, je pense que toutes les régions sont soumises non seulement à la crise viticole, mais aussi à la pression des consommateurs. Je pense que, voilà, plus il y a de ventes directes, et plus les gens sont en contact avec le questionnement des consommateurs, et donc plus on va avoir une remise en question, parce qu'on est en prise directe avec le questionnement social. Et pour le bio, d'une façon générale, la solution, c'est que ce soit le consommateur. C'est le consommateur qui peut faire avancer les choses, puisque de toute façon, de l'autre côté, ça n'avancera pas. Il n'y a que le consommateur aujourd'hui, c'est celui qui paye, c'est celui qui fait l'acte d'achat, qui a la décision de toute façon. Donc c'est au consommateur de dire « ça j'accepte, ça j'accepte pas ». Et c'est la seule façon. Après, nous, on peut intervenir en communiquant sur ce qu'on fait, en sensibilisant les gens sur ce qu'on fait. Non pas en leur disant « c'est la solution », mais en disant « voilà ce qui peut se faire, voilà ce qui existe ». C'est ça, pour moi, c'est la seule solution. Mais je vous le garantis, et pourtant je suis pas du tout militant, mais voilà, les gens autour de moi, je peux vous dire... Les gens que je rencontre partout, ils sont sensibles à ça, ils retournent sur les marchés, ils font partie des réseaux, ils mangent local, ils font les efforts aujourd'hui. Et oui, c'est sûr, ils n'achètent pas les derniers téléphones, mais ils privilégient d'autres choses. Mais on y revient. Après, il faut, pour accélérer les processus, il faut que les producteurs sensibilisent les consommateurs. Et il faut juste que tous les mouvements dont on fait partie, comme le bio, ne soient pas accaparés par des grands groupes, ou par des pouvoirs politiques, par des gens qui veulent orienter les choses. Voilà. Faut être vigilant là-dessus. Parce que s'il se passe ça, c'est fini. Le terroir a sauvé les cépages. Et maintenant, c'est les cépages qui vont sauver le terroir. Parce que le terroir est attaqué. Il est attaqué de toutes parts par la technologie. On peut supprimer l'effet terroir. On peut donner au vin tous les caractères qu'on veut de manière totalement artificielle. On peut donner tout ce qu'on veut. Avec nos cépages, soi-disant disparus et donc réapparus, redécouverts, ça mettra du temps pour que la technologie s'en mêle. Hein. Ça ne l'intéressera pas. Quand on parle terroir, en général, c'est à ça qu'on s'intéresse. C'est la singularité d'un lieu, d'un savoir-faire.
pour moi, le terroir, c'est lié à quelque chose de singulier, de, qui sort de l'ordinaire, qui est l'expression particulière d'un endroit, d'un sol particulier, d'un climat particulier et souvent d'un homme particulier. Voilà, en étant vigneron, ce qui est intéressant, c'est de faire... moi, j'aime bien faire plein de choses différentes. Mais en étant à Gaillac, justement, on a beaucoup de possibilités. On a un climat qui est méditerranéen, enfin, océanique et méditerranéen. Donc, on a plusieurs influences et ça nous permet d'adapter différents cépages. Il y a différentes maturités. À Gaillac aussi, il y a plusieurs terroirs différents. Donc, moi, c'est vrai que je suis un terroir calcaire qui me permettent de faire pas mal de blancs. En même temps, j'ai des terres un peu plus profondes pour faire des rouges sur le côté terroir. Et ce qui est intéressant dans les blancs, c'est vrai que le calcaire apporte beaucoup de minéralité, pas mal de finesse. Donc c'est vrai que c'est... Et après, en fonction de tous ces cépages, en fonction de quand est-ce qu'on les ramasse, en fonction de comment on va les travailler à la cave, en cave, à quelle date on va les ramasser, plus ou moins sucrés. À Gaillac, on peut faire aussi bien des... Même il se fait, c'est vrai, du vin primeur avec du gamay. Bon, après, moi, ça ne correspond pas à ce que je veux faire parce que moi, je fais des élevages le plus... Voilà, je laisse les saisons, le rythme... Les vins évoluent au rythme des saisons. Donc, les fermentations se font... Si elles ne se finissent pas au moment des vinifications à l'automne, elles se finissent au printemps suivant. Donc, je ne bouscule pas les vins. Donc, c'est vrai qu'un primeur, pour moi, c'est un peu trop rapide. Ou alors, ça peut marcher... une année sur 15, mais c'est vrai qu'il faut accélérer un petit peu les fermentations et filtrer un peu pour que ça... Alors que moi, c'est vrai que j'aime bien laisser les vins le plus... Les laisser au rythme des saisons. Donc ça ne correspond pas à ce que je veux faire. La biodiversité, c'est un des facteurs de l'expression du terroir. Et lorsque justement on va altérer la biodiversité ou mettre en pratique des actions qui vont altérer la biodiversité ou l'appauvrir, on se coupe d'une partie du terroir, bien entendu. En plus, pour nous qui sommes en bio, la biodiversité, c'est aussi un facteur d'équilibre. Au-delà du facteur d'expression, c'est aussi un facteur d'équilibre. C'est-à-dire que la biodiversité, c'est ce qui va faire que des populations vont se limiter les unes les autres en fonction des systèmes de prédation qu'il y aura. Voilà, j'ai remarqué notamment qu'il y a une quantité d'araignées très très importante dans la vigne. En 2008, quand je suis arrivé, j'ai eu de gros problèmes avec des papillons qui viennent pondre sur les œufs, sur les grappes, et des œufs éclosent des vers qui vont perforer les grappes. Donc un gros problème en 2008, et au bout de quelques années, après avoir abandonné complètement les insecticides chimiques et les produits violents et nocifs pour l'environnement, ben je me retrouve avec des quantités, des populations d'araignées très importantes, de coccinelles très très importantes, et plus de papillons. Alors comment puis-je expliquer qu'une année, j'ai une présence de papillons vraiment, vraiment, vraiment très importante, et quelques années après, j'ai un équilibre qui se crée, avec des papillons toujours, tant mieux, ils sont le bienvenu, mais dans des proportions qui sont tout à fait acceptables. C'est-à-dire qu'il y a une perte qui est insignifiante et qu'on doit pouvoir tolérer. Ça, c'est certainement lié à la biodiversité. Donc la biodiversité liée à l'expression du terroir, mais aussi liée à l'équilibre de notre vigne. Au début, on a eu des clients très militants, on va dire. C'est ça, surtout. C'est-à-dire des gens qui pensaient comme nous, et qui buvaient notre vin même quand il était mauvais pour aider à l'expérience. Ils ont suivi l'expérience. Enfin, on expliquait notre aventure vraiment comme une expérience. Et les gens qui sont venus nous aider au début, boire notre vin, je dis nous aider, mais c'était ça. Ils ont vécu cette chose-là comme nous, c'est-à-dire comme une expérience. On expliquait ce qu'on avait fait, on expliquait pourquoi ce n'était pas vraiment ce qu'on voulait faire, mais qu'on ferait mieux l'année prochaine ou différemment l'année prochaine. Et ils nous suivaient, ils nous permettaient de faire cette expérience au jour le jour. Hein. Moi, je leur suis infiniment reconnaissante, sachant que il y a 30 ans, je le dis souvent, mais ça m'avait tellement frappé, les gens qui mangeaient bio, buvaient pas de vin, parce que c'était pas hygiénique. Et les gens qui buvaient du vin détestaient les vins bio, parce que c'était de la piquette. Donc on avait un strapontin, là, très inconfortable, qui pour la vente, c'était vraiment très difficile. Donc les premiers clients aussi qu'on a eu étaient souvent des gens du Nord. En fait, on a eu une clientèle éloignée d'ici. C'était parfois même des étrangers, donc des Allemands, des Suisses,
qui sont venus chercher les vins ici parce qu'ils avaient déjà une demande écologique forte dans leur pays et ils n'avaient pas de vignerons. Donc ils les cherchaient, donc ils nous trouvaient puisqu'on était tellement peu il y a 30 ans. Ils tombaient sur nous sans qu'on ait rien fait en fait, hein, simplement par le réseau. On était fichés dans Nature et Progrès comme existant. Ils cherchaient, ils trouvaient là, ils venaient chercher les vins. Et ensuite, on a aussi milité beaucoup pour la création des biocopes à l'époque. Hein, donc, on a participé à la création des premières biocopes. Et on a servi les biocopes un peu dans toute la France. Mais c'était vraiment le tout démarrage. Donc, nous, on servait presque toutes les biocopes de France. Aujourd'hui, on n'a pas de publicité en tant que telle. Bon, on a évidemment des publications, si vous voulez, dans les journées, dans les articles de presse. On a une présence sous forme de site internet, etc. Mais on n'a pas de publicité ou vocation à forcément aller faire un tapage médiatique fort, puisque la plupart de notre distribution se fait quand même par le biais d'agents, de grossistes ou d'importateurs. On fait en fait assez peu de publicité en tant que telle visant les particuliers. Il y a vraiment deux aspects très différents selon qu'on s'adresse à des interlocuteurs qui sont spécialisés bio ou qui ne le sont pas. Pour ceux qui ne le sont pas, ils vont s'intéresser simplement au rapport qualité-prix du vin. Si en plus ils peuvent afficher que c'est bio, c'est un plus, mais ce n'est pas forcément significatif. En revanche, il y a ce que je disais précédemment, des chaînes de distribution spécialisées bio, principalement sur les États-Unis et sur l'Europe du Nord, où pour le coup, la question ne se pose même pas. C'est si on n'est pas bio, on ne rentre pas chez eux. Donc la perception de ce côté-là, elle est bonne par principe et elle est obligatoire. J'avais pas l'objectif de faire ça d'abord, puis ça, ça s'est fait au fur et à mesure en fait. Voilà, j'ai voulu d'abord bosser pour des vignerons vraiment, pour apprendre le métier de base, pour pouvoir arriver ici en ayant des connaissances. Et après, j'avais vraiment envie de bosser dans la restauration, dans le milieu, avec les gens avec qui on travaille ici finalement le plus au domaine, quoi, avec les restaurateurs, pour voir comment ça marche et créer aussi mon propre réseau à moi, ce qui se fait pas mal aujourd'hui parce que dans toute la nouvelle génération à Paris, on est tous à peu près du même âge, quoi, entre 25 et 35 ans. Et c'est assez intéressant de voir que voilà, il y a le réseau de mon grand-père, le réseau de mes parents. Et aujourd'hui, voilà, avec mon frère, on commence à avoir un réseau qui est le nôtre avec des gens de notre génération. Si j'avais pas eu cette passion dans la famille, peut-être que je l'aurais pas eu non plus. Ça a été transmis parce qu'avec mon frère et moi, on a baigné dedans depuis tout petit. Alors c'est pas venu tout de suite, hein, il nous a fallu le temps. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas faire autre chose et mon frère non plus. Et donc voilà, ouais, c'est venu petit à petit, mais c'est sûr que ça aide. Je sais pas s'il n'y avait pas eu tout ça, si on se serait installé de nous-mêmes en achetant des vignes pour faire du vin, parce que peut-être que j'aurais pas travaillé là-dedans déjà à la base, donc j'aurais pas eu la passion que j'ai aujourd'hui. La notoriété du domaine m'a ouvert des portes dans pas mal de restaurants ou chez des vignerons qui ont permis d'avoir cette passion qui s'est faite petit à petit, quoi. Je ne le conçois que comme ça, de faire un vin bio, de ne pas utiliser de pesticides ou de chimie. Par respect pour l'environnement, et puis on voit bien ce que ça fait. C'est un minimum. Moi, je suis de la génération où, effectivement, on fait attention à l'environnement, on fait attention à ce qu'on va laisser à nos enfants. Bon, il y en a qui travaillent en conventionnel et qui font des bons vins, mais je trouve que pour la terre et pour nous, c'est important de respecter l'environnement. Et il y a moyen, il y a des gens qui font du très bon vin sans utiliser de produits de synthèse, donc c'est faisable. Ça demande juste plus de travail du sol. Moi, si je prends que 4 hectares 70, c'est aussi pour ça. C'est pour me laisser la possibilité de les travailler correctement et de prendre le temps pour ça, parce que sinon c'est sûr on peut en prendre plus et hop on traite et beaucoup de désherbant et c'est vite fait, mais vraiment je le fais plus par changement de vie pour moi, pour
pour avoir un cap où je me sens bien et pas dans une optique ni financière ni de business. Et du coup, moi j'ai envie de faire les choses bien. Le problème, c'est souvent qu'il y a, il y a une pression de la part des cultivateurs autour qui ont besoin de terre, quoi. Forcément. On est aujourd'hui dans une course à l'échalote où un agriculteur qui fait des céréales doit avoir au moins 100 hectares pour s'en sortir, quoi. S'en sortir. Donc s'il peut en avoir 200, c'est mieux. Et 300, il investit un peu. Et puis voilà. Et de toute façon, avec la mécanisation, aujourd'hui, il arrive toujours à mener de front des surfaces assez importantes. Donc là, la pression, elle est plus à ce niveau-là, où on joue des coudes pour avoir des terres. Moi, j'ai pu avoir cette terre-là parce que c'est une terre à vigne, et exclusivement à vigne. Elle est trop pierreuse pour faire de la culture. Mais je ne pense pas pouvoir avoir accès facilement à d'autres, à du foncier autour, quoi. Ce qui se comprend. Il y a des agriculteurs qui vivent de leur métier. S'ils peuvent se développer, ils le font. C'est tout à fait légitime, hein. Moi, je ne trouve rien à redire à ça. Le contexte a beaucoup changé depuis... la bio du début, du temps des pionniers, on va dire. On n'est pas dans le même combat, en fait, hein. On ne lutte plus pour exister en bio. Aujourd'hui, c'est... disons que par rapport à cette question-là, c'est plus simple. Il y a encore des contraintes techniques à soulever, à améliorer, pour être toujours plus écologique dans les pratiques, mais... d'un point de vue sociétal, il n'y a plus le problème qu'il y avait dans les années 80-90, où il fallait se faire accepter son produit, être accepté des voisins. C'est quelque chose qui a changé aujourd'hui. Mais pour ceux qui s'installent en bio aujourd'hui, c'est plus facile. Je ne sais pas si c'est plus facile. Ils auront une autre histoire à mener, un autre combat un peu différent, parce qu'aujourd'hui... Donc la bio n'appartient plus à un petit groupe de pionniers, hein. Elle appartient maintenant au grand public et à la profession agricole dans son ensemble. Et on peut en faire tout autre chose, hein. C'est aussi devenu un marché, c'est aussi devenu une mode, une façon de parler, enfin tout un tas de choses qui nous échappent. Et donc moi je considère que nous on a eu une certaine facilité dans le sens où il n'y avait pas beaucoup d'espace entre nos idées et nos actes. On mettait en pratique directement ce qu'on pensait. On discutait à quelques-uns, on n'était pas nombreux. Et donc, il n'y avait pas d'écart, beaucoup. Aujourd'hui, il faut beaucoup se battre pour garder une cohérence. Voilà, parce que les idées, ont cessé de nous appartenir, en fait. Donc, aujourd'hui, quand on parle de bio autour d'une table, il y a beaucoup de... disons, d'expressions différentes, de sensibilités différentes qui viennent de mondes très variés, hein. Ça peut être la grande distribution, ça peut être des agriculteurs en conversion, mais de moins en moins d'agriculteurs, beaucoup plus la société civile et puis la société, on va dire, économique autour, hein, qui s'est emparée du sujet. Et donc là, pour ceux qui s'installent, le débat va être difficile. Garder la parole va être difficile en tant que producteur. Et je pense que ça, c'est vraiment un combat essentiel, en fait. La bio doit, enfin pour moi, elle ne gardera son sens que si elle s'appuie sur les gens qui font les gestes, ceux de l'agriculture. Voilà. Et ces gens-là, en général, ils ont du mal à parler parce qu'ils ont beaucoup de travail. Et que c'est des taiseux, souvent. Et donc, ça a toujours été ça, mais... Voilà, on a eu cette petite bulle dans laquelle c'était un peu, la bio était à la fois un peu intellectuelle et un peu pratique. Mais aujourd'hui, il va falloir en faire un vrai métier. Et donc, il va falloir en même temps garder la parole. C'est un vrai combat.